Bonsoir mes amis, donc on est parti pour faire ensemble ce bouclage. S'il vous plaît, n'hésitez pas à rester avec Tata. Et on va tester un truc de chinois, boucle son chaleur et sabi. Moi j'ai kiffé personnellement, donc je voulais te le montrer. Donc si t'aimes bien, tu restes avec moi. J'aimerais être contemporain autant qu'intemporel. Pour ça je contemplerai le ciel, je suis de ceux qui tendent l'oreille. Pas de ceux qui attendent pour rien, y'avait personne quand on pleurait. C'est l'hécatombe qu'importe le réel, vu que c'est Dieu qu'importe le rêve. Mon Seigneur c'est pour ça qu'on t'implorait. Je vois les restes de bons sentiments dans mon cœur incorporé. Emporté par un corbeau, incarné par ton corps, je pourrais encore pleurer. Mais je suis plus qu'un missile téléguidé. Fais ta arme et quand t'as décidé de me quitter, j'ai plus quitté pour danser. Entièrement de ma faute, t'as tout faux si tu crois que les garçons vont en boîte pour danser. On pense avoir le temps de se rattraper. Quand faut se dépêcher parmi ceux qu'on fait céder, combien veulent qu'on fait céder. J'ai prédit que certains céderaient d'un psy, hein. On a tous le droit à cette rédemption. Alors j'ai épousé ma plume pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Y'en a qu'une et elle m'absorbe, comme la goutte sur laquelle je mets l'accent. J'suis là pourtant mais j'suis absent, ouais. J'ai épousé ma plume. Ce soir pour mes matelots y'aura pas dîner dansant. On partagera une taille qu'on fera néné dans le centre. Ouais on aime être ensemble, toute l'année les gens le sentent. Attiré par la violence parce qu'on est né dans le sang. Aucune affaire conclue avec les lâches. Ce qu'on eut quand j'avais rien, à part l'amour de mes galériens. Ce qu'on eut avec des haches. Seul dans ma hutte, les yeux sur mon avenue. Je pense à tous ceux qu'ils ont eu, la route tourne plus. Y'a sûrement un U. Je pense à toi mon frère qui a épousé ta plume. Dépoussiérer ton armure et repousser la brume. Liquide nocif dans ta cristalline, dès que la crise t'abîme. Mais quand t'écris ces lignes, des étoiles qui s'alignent hors de ta chrysalide. Béni soit celle qui embellit ton ciel. Même dans l'horreur pénitentiaire, quand tes erreurs pénitentiaires. Et quand le mal t'en sert, t'as une femme sincère. T'en es maintenant certain. Donc, on va enlever le foulard ensemble. Et je reviens après mon... En fait c'est des trucs comme ça. Ils se clipsent comme ça. Et après, on défait tout simplement. Moi, je les ai depuis hier au soir. Et là, ça va, ça arrache pas trop. Non, ça va. Ouh là là. Ouh là là. Donc là, il y a un petit truc comme ça en scratch. Et ça, c'est ce qui permet de maintenir les cheveux. Donc, je défais tout ça. Et depuis qu'on s'est pas vu, ça va. Enfin, depuis la dernière teinture, j'ai fait quoi? J'ai fait un shampoing américain. Oh là, comment ça boucle. J'ai fait un shampoing américain. J'ai refait une teinture de L'Oréal. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Putain, comment ça boucle, c'est, je suis vraiment choquée. Donc ça va. Moi qui croyais que ça arrachait les cheveux, ça n'arrache pas les cheveux, mais c'est un truc de fou comment ça boucle. Waouh, un truc de fou, je suis trop gaze, les armées, j'ai trop gaze, mais j'ai perdu vachement de longueur. Hein. Alors ça va être dangereux ça. Attends. Dangereux, c'est très dangereux. Putain de con. Attends. On va coiffer ça après. Oh là là. Khalatalina. Yes. Khalatalina. Oh oh. C'est vachement pratique. Et les cheveux ne sont pas secs. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est bien bouclé quand même. Oh Magnolia. Magnolia. Bon, si vous avez reconnu la chanson, voilà. Bon, on va séparer les boucles au doigt parce que là c'est juste not possible for me. Je vous préviens, je suis en train de déjeuner. Je suis en train de déjeuner à mes vœux, donc tu restes tranquille derrière ton ordinateur, s'il te plaît. Je suis moins cendrée parce que vraiment quand j'ai vu les reflets. Je préfère avoir des reflets jaunes pisseux, c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, la frange, ça, pas du tout, ma chérie. Donc, attends, on va essayer de se démerder à faire un truc sympathique. C'est parmi les boucles au doigt, mais ça boucle sévère, quoi. Quand moi, si j'aurais su, j'aurais pris des mèches plus grosses. Je suis dans la merde. Attends, on va se faire une coiffure de peanut. Peanut butter. Putain, comment ça boucle. Oh là là, il m'a arrêté. Mais avec ça, on peut. Avec cette base de boucle, il y a ça. On peut se faire des coiffures. Mais à quelle heure est-ce? Minuit 50, j'ai pas envie trop de réflexionner. Donc, attends. Donc, tu peux mettre un bandeau déjà pour se sortir de cette merde. On va foutre un bandeau. Voilà, pour l'instant, je vais rester comme ça. J'ai pas l'idée en fait, y'a ça, mais pour te faire une coiffure. Donc, vu les circonstances actuelles de mes boucles, je pense vraiment que je serai bouclée demain matin. Donc, demain matin, je serai mieux en forme et on fera une coiffure.
J'aime bien quand même, ces boucles, elles sont belles, non, pour trouver ça derrière l'écran. Franchement, c'est un truc de fou. Je suis choquée. Donc, hier j'avais la flemme, aujourd'hui j'ai toujours mes boucles, j'ai dormi avec, j'ai mis juste un foulard sur ma tronche. Donc, on va essayer de faire 3 coiffures ou 2, je ne sais pas trop, avec les cheveux bouclés. Parce que les cheveux bouclés, il y a de la matière, Yassarbi. Tu as de quoi faire, donc ne me dis pas que tu n'y arrives pas à te coiffer, c'est pas normal. Donc, on y va, je détache et j'arrive. Un autre truc aussi, j'ai reçu ce masque. C'est un masque kératine, complète kéraction, cheveux fragilisés, Eugène Perma. Alors, il est bien, mais je préfère largement celui de Myriam K dans la durée de l'hydratation et Sahbi. Donc voilà, il sent bon. Je l'ai déjà utilisé 2-3 fois, donc voilà. Moi, je préfère largement Myriam K sur ce coup-là, donc je suis désolée Eugène, mais voilà. Ceci dit, il est bien, hein, et la kératine ne peut pas nous faire de mal. On se le dise. Donc j'ai plus de miroir derrière, donc je suis un peu emmerdée. Je vais essayer de faire mon mieux pour faire une coiffure mignonnette. Donc dans un premier temps, force à toi si t'as épousé ta plume, si c'est la seule qui t'a plu, si vos chemins de ceux qui te plument, moi elle m'absorbe comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent. Je suis là pour donc donner... sur cette zone sable. On va venir crêper légèrement parce que je n'aime pas ça. C'est vrai, je suis plus vraiment là depuis que j'ai épousé ma plume. Pour affronter les tempêtes et repousser la brume, il n'y en a qu'une et elle m'a. On va prendre des petites barrettes comme ça parce qu'elles arrachent pas la tronche celle-là. Les autres plates, elles arrachent la tronche. Voilà quoi. Donc, j'ai acheté cette brosse de merde sur le site Pascal Coste et je ne vous la recommande pas. Je suis là pourtant mais je suis absent. Hein, si j'étais un marin, je lèverais l'ancré. Mon verre de rhum est chancré, à la gloire des femmes aux robes est chancrée. Il y en a certaines que j'oublie vite, et je fuis comme un lâche. Mais toi t'es parti en me laissant blanc comme un linge face au livide. Si tu laisses la flamme mourir, je mourrai d'abord. N'oublie pas que le pardon se nourrit d'aveux. D'un œil accusateur, tous les passants scrutent nos disputes. Mais ça ne les regarde pas, l'amour est aveugle. Rien de plus dangereux qu'une vie au cœur brisé. Mais ta haine, c'est ma seule lumière dans ce tunnel. Car si tu me détestes et que tu m'aimes, je t'ai pas laissé de répit. En apparence, tu t'es pris d'un autre que moi pour me détruire. Tu m'annonces que ton cœur est pris. Et puis on fait l'amour, tu trouves ça maléfique et dément. Et ton amant, est plus magnétique qu'un mari aimant. Aimant, tu sais. Moi j'ai épousé cette plume, elle m'empêche de t'aimer, elle m'empêche d'écrire qu'on s'aime plus. J'ai épousé cette plume, elle m'empêche de t'aimer, elle m'empêche d'écrire qu'on s'aime plus. Si t'as souffert avec moi, c'est que tu le voulais un peu. Une autre de l'amour pour que je fais pas d'effort. Elle serait prête à tout, même à se tatouer la tête de Marine Le Pen sur les fesses pour que je lui tape très fort. Elle m'a dit qu'elle, je rêverais d'être ta chienne. Je l'ai menottée de manière détachée. Elle m'appelle au téléphone et me dit viens me peloter. Je lui dis garde tes armes, mais ta robe tu peux noter. Il est déjà tard, toi je dégage, tu perds tel. Toujours le même schéma. Désir, pulsion, désillusion, qu'est-ce qui va pas chez moi. Avoir des envies de garçon, c'est transformé en jeu. L'attend des relations qui ne me mènent nulle part. J'ai beau chercher la solution dans l'illusion de la séduction. J'ai l'impression de n'avoir connu qu'une femme. Je connais les risques de l'amour et j'ai toujours l'amour du risque. Visible. Je connais les risques de l'amour et j'ai toujours l'amour du risque. Je ne ressens plus rien parce qu'elles attendent que je tende mon piège. J'ai tant de mal à prendre mon pied. Je suis pas bien dans mes baskets. L'autre jour j'ai revu mon ex pour le sexe, on a déconné. Montée de colère quand elle m'a dit que son nouveau mec l'avait cogné. Alors j'ai appelé ce fils de pute, j'ai tapé ce fils de pute. Mais après quelques disputes, elle a rappelé ce fils de pute. Ah, phénomène anormal. L'amour, le sérum et le venin, vu qu'on aime avoir mal. Quant à elle, elle est mortelle. Dans mon cœur c'est le déferlement. Elle ne me donne pas trop de nouvelles. Alors c'est dur de faire le mort. Y'a que quand elle a bu des cocktails qu'elle m'appelle. Du genre t'es là, dîner aux chandelles. Elle m'attend jardin. Quand Jack allait dans le port jardin, elle aime rouler des joints fins, c'est presque des vogues. Je lui ai dit que t'es belle en pensant qu'est-ce que t'es pas. Avoir des envies de garçon, c'est transformé en jeu. L'attend des relations qui ne me mènent nulle part. J'ai beau chercher la solution dans l'illusion de la séduction. J'aimerais être contemporain autant qu'intemporel.
pour ça je contemplerai le ciel. Je suis de ceux qui tendent l'oreille, pas de ceux qui attendent pour rien. Y'avait personne quand on pleurait, c'est l'hécatombe qu'importe le réel. Vu que c'est Dieu qu'emporte le rêve, mon Seigneur c'est pour ça qu'on t'implorait. Je vois les restes de bons sentiments dans mon cœur incorporé, emporté par un corbeau, incarné par ton corps. Je pourrais encore pleurer, mais je suis plus qu'un missile téléguidé. Que t'as armé quand t'as décidé de me quitter, j'ai plus quitté pour danser. Entièrement de ma faute, t'as tout faux si tu crois que les garçons vont en boîte pour danser. On pense avoir le temps de se rattraper quand faut se dépêcher. Parmi ceux qu'on fait céder, combien veulent confesser des péchés. J'ai prédit que certains c'est de rédemption. On a tous le droit à cette rédemption. Alors j'ai épousé ma plume pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Y'en a qu'une et elle m'absorbe comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent. J'suis là pourtant mais j'suis absent, ouais. J'ai épousé ma plume. Ce soir pour mes matelots, y'aura pas dîner dans le sang. On partagera une taille qu'on fera néné dans le centre. Ouais, on aime être ensemble, toute l'année les gens le sentent. Attiré par la violence parce qu'on est né dans le sang. Aucune affaire conclue avec les lâches. Ceux qu'on eut quand j'avais rien, à part l'amour de mes galériens. Ceux qu'on eut avec des haches. Seul dans ma hutte, les yeux sur mon avenue. Je pense à tous ceux qu'ils ont eu, la route tourne plus, y'a sûrement un U. Je pense à toi, mon frère qui a épousé ta plume. Dépoussiérer ton armure et repousser la brume. Vous pouvez faire un truc qui déchire aussi que j'adore faire. Des étoiles qui s'alignent hors de ta chrysalide. Béni soit seul qui embellit ton ciel. Même dans l'horreur pénitentiaire, quand tes erreurs pénitentiaires. De speed de ouf et que ça, ça procure un plaisir immense. Je sais pas ce que tu en penses, personnellement j'adore. Après les goûts et les couleurs, on peut pas tous aimer la même chose dans la vie. Sinon ça serait con hein. Enfin bref, moi j'adore ce coiffure. J'aime trop. Ça nous procure un volume. Donc vous avez la chance d'avoir des cheveux bouclés mes amis. Avec du volume, profitez-en pour faire de la sculpture capillaire. Parce que les cheveux, c'est de la sculpture. Tu vois, tu peux faire ta choucroute comme bon te semble. Regarde-moi cette parodie de... J'adore. Bon, allez, j'y vais parce que sinon, je vais pas arrêter de me coiffer jusqu'à 3h du matin. Je vais jamais dormir et après, voilà. Je tire un peu ma banane pour garder la banane. C'est très important dans la vie de femme. Ces connards qui traînent dans la suite. Et je vous dis bienvenue à tous mes sahbés qui sont arrivés dans la télé du Tata. C'est un truc de fou, j'arrive même pas à y croire. Merci Sarah Messa d'avoir parlé de Tata. Merci Nevi aussi. Merci Deji. Merci toutes les sahbés qui ont parlé de Tata. Parce que moi à chaque fois je reviens pas. Et ça me va droit au cœur. Franchement à chaque fois je suis trop d'émotions. Il y a trop d'émotions dans Tata. J'avais oublié aussi, je prenais ça là de Delab et en fait il m'avait envoyé un mois et je pense qu'il y a de l'effet au bout de 2 mois. Donc je continue Airbust qui d'ailleurs m'a bien rodka parce que j'avais commandé 2 mois. Et en fait j'avais commandé 2 mois d'Airbust, faites attention sur le site Airbust s'il vous plaît mes sahbis. J'avais commandé 2 mois, déjà c'est 58 balles un truc comme ça. Et 2 mois après, ben, en fait il te renouvelle tout seul. Normal, il te prélève, normal, comme si de rien n'était. Donc je me suis embrouillée avec la meuf, je lui ai dit vas-y, annule ma commande là. Et j'avais déjà reçu 2 autres boîtes. Donc je vais me les bouffer ces 2 autres boîtes. Mais je commanderai plus jamais ça. Terminé. Et on verra la repousse. Mais là il me reste genre ça d'extension par rapport à mes cheveux. Donc je suis assez surprise. Mais bref, moi je préfère Airfinity. C'est terminé pour Zay. Je préfère Airfinity. Et ça, je ferai sûrement des labs, une cure de kératine quand j'aurai fini tout ça. Parce que c'est bon, les cachetons là, je commence à en avoir. Ah. La casquette. Donc c'est fini pour aujourd'hui mes sahbis. N'hésitez pas à me dire quelle coiffure vous avez préférée. Et si vous avez aimé ce système de boucle, je vous mets le lien en barre d'infos. Parce que vraiment moi j'ai kiffé. En plus c'est vachement pratique avec le truc qui se referme. Donc ça roule ma poule quoi. Donc je vous souhaite une bonne soirée dans la TV du Tata. Et n'oubliez pas cette petite phrase: le sourire est le plus beau maquillage qu'une femme puisse porter. Exactement, les sahbis. Donc gardez la pêche, gardez le moral, les sahbis. On se gèle les michis, carré, un truc de fou. Moi aussi, je suis en dépression du hivernal, je te cache pas. Mais on est là. Posé. Je vous fais des bisous, mes sahbis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures avec Tata, les sahbis. C'est les merlis comme la jeunesse. Et merci à vous tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour votre communication, pour votre aide à Tata quand il fait des conneries. Je rappelle que je ne suis pas make-up, j'apprends tous les jours avec mes sahbis. Si tu regardes au début, j'avais presque un cocard quand je publiais mes tutoriels. Donc, pardonnez-moi les sahbis, ils sont pas. Des fois, je vois pas très bien et j'estompe pas assez le camp. Bref. On y arrivera mes sahbis parce que tous ensemble, on forme une équipe formidable à Sahbiland. I love you so much.